Depuis plusieurs semaines, pays d'Haïti a fait face à une crise qui a plusieurs dimensions, surtout dans le département de l'Ouest. La crise qui prend diverses formes vient compliquer la situation de la vie de la population à cause d'individus avec armes illégales qui cherchent à créer des troubles dans plusieurs communes dans le département de l'Ouest, tant que Port-au-Prince, Delma, Tabar, Pétionville et Latrier. Malfrats qui sortent dans diverses foyers gangs mettent tête ensemble dans objectif pour faire violence et puis commettre action criminelle sous membre population. Parmi les stratégies gangs utilisées, c'est attaquer institutions publiques, l'hôpital, l'école, entreprise commerciale, piller, craser et puis mettre diffé. Mettez sous ça, infrastructure policière et policiers qui viennent tourner aujourd'hui principal si bandit exam ça yo. Police nationale là qui depuis quelques années était déjà engagée dans une lutte contre grand banditisme là sous toute forme, vient de plus travail dernier temps ça yo. Depuis augmentation zak violence groupe armé yo, sorti 29 février pour arriver 26 mars, 17 bandits tombés dans échange coup de balle avec la police. Parmi yo, chef gang Delma 95 ans, Ernst Julme alias Tigreg, chef gang Macandal qui t'a pral installé dans Pétionville, la police saisit tout 17 armes différents calibres. Pendant la police a poursuivre opération avec intervention policière yo dans diverses zones, agent l'audio yon l'autre bord continue à sécuriser en même temps divers bâtiments publics ou privés. Bandi yo continue à faire attaque sur yo. C'est cas pour zone centre-ville Port-au-Prince, zone Palais National, Champ de Mars. Dans ce ça, plusieurs unités spécialisées dans PNH là déployées dans l'idée pour contrecarrer action criminelle bandiyo. Dans zone qui environnait Port-au-Prince yo, police nationale là a opéré tout. Dans cas d'opération ça yo, chef gang cité Doudounan dans commune Croix des Bouquets, moun connaît son nom New York. New York tombé dans échange coup d'âme avec la police mardi 2 avril là. Alors que dans Pétionville, dans quartier Meyotte, policier unité temporaire anti-gang yo, UTAG, récupéré un fusil d'assaut avec plusieurs cartouches pendant affrontement entre la police et bandi armé qui fait partie gang Vite l'homme innocent à diriger. Après attaque fait sous plusieurs commissariats à prison dans la capitale là, au commandement PNH là prend disposition à passer instruction par le commandant toute juridiction police là pour chercher et puis mettre en bas code tout individu qui évadé dans prison yo dans cadre mezi ça, plusieurs évadés prison déjà arrêtés dans certaines villes provinces. Devant action criminelle yo, PNH là pap bat ba, la continue mettre en bas code tout individu qui gagne droit yo trempé dans mauvais actes. N'a pas rappelé que la police a son institution républicaine qui était attaché à la loi et à maman loi pays, qu'elle a une obligation pour le respecter et pour le faire respecter. Victoire pour nous lier. Vive police nationale d'Haïti. Vive Haïti. Pour répondre à l'engagement constitution en Bali, PNH continue à travailler pour faire l'ordre avec la paix publique retourner dans le pays.